Donc, le style d'objet permet d'appliquer à différents objets rapidement des caractéristiques. Là, vous allez cliquer à côté de la page. Rien n'est sélectionné. Et ça fonctionne de la même manière qu'un style de paragraphe. Si vous double-cliquez maintenant sur le nom du style d'objet, vous avez ces caractéristiques qui apparaissent. Avec la case Aperçu, vous allez pouvoir modifier des choses, notamment le contour. Vous allez pouvoir modifier son épaisseur. Essayons un peu à la place de 8, soyons fous, je vais mettre 18. Touche tabulation. Voilà, 18 de contour. À la place de la couleur verte, je vais aller en mettre une autre. Le cyan, par exemple, ou le noir. Voilà, plutôt noir. Ce sera bien noir. Voilà. Ça fait ressortir les couleurs, comme disait la compagnie créole. Bon. Voyez le principe, dans tout le document, je peux modifier d'un coup l'aspect de tous les styles d'objets, notamment ceux qui servent pour les images ancrées.